Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Camille, votre enseignante d'espagnol, et aujourd'hui, nous allons étudier ensemble les principaux emplois du verbe ser. Alors, rappelez-vous, avant de commencer, le verbe ser, c'est le verbe être qui définit une caractéristique essentielle d'une chose ou d'une personne. Donc, le verbe ser va s'utiliser plutôt que le verbe estar, lorsqu'on veut parler vraiment d'une essence, alors qu'estar s'utilise pour parler de quelque chose de plus passager. Dans quelles circonstances, dans quelle phrase, va-t-on choisir le verbe ser plutôt que le verbe estar? Premièrement, pour donner un nom, c'est-à-dire pour se présenter. On va dire soy Alberto pour dire je suis Alberto. Par exemple, soy Camille pour dire je suis Camille. Pour donner une nationalité, on va également utiliser le verbe ser. Soy colombiano, je suis colombien. Si je peux parler moi-même, je vais dire « soy francesa », je suis française. Une origine, un lieu d'où on vient, vraiment, pas d'où je viens aujourd'hui, où je suis née par exemple, où j'ai grandi. « Soy de Cali », je suis de Cali. Une profession, « soy estudiante », je suis un élève, je suis étudiant. Si vous voulez donner un statut, mais quelque chose qui vous définisse, comme par exemple si vous voulez parler de votre religion, vous allez également utiliser le verbe ser. Par exemple, soy católico. Je suis catholique. Si vous voulez exprimer l'essence d'un événement, c'est-à-dire pas le lieu où il a lieu, mais ce qu'il est, vous allez également utiliser le verbe ser. Comme dans cette phrase, es una fiesta, c'est une fête. Si vous voulez exprimer l'heure, la date ou l'année, vous allez également prendre le verbe ser plutôt que le verbe estar, tout simplement parce que le lundi, dans cette phrase es un lunes, on utilise le verbe ser, le lundi ne change jamais d'état, il sera toujours lundi. C'est vous qui allez changer de jour. Ensuite, pour exprimer une valeur ou un coût, vous utilisez également le verbe ser. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que la valeur d'un objet ne va pas changer. Donc ser plutôt que estar. Alors, par exemple, si je vous demandais combien c'est, combien ça coûte, ce sera « cuánto es » et on vous répondra « es »,« cinco dólares », par exemple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur DigiSchool. N'hésitez pas à consulter d'autres vidéos sur la différence entre « ser » et « estar » et à très bientôt sur DigiSchool.